Salut tout le monde, c'est le Maestro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière avec l'Olympique de Marseille. Et donc juste avant ce début du mercato d'hiver, ce mercato d'hiver qui va peut-être nous permettre de recruter un milieu central comme je voulais le faire, vous le savez, durant le dernier mercato. Alors il y a un petit problème apparemment pour Gaël Andonian qui souhaite partir, mais aussi Ruben Aguilar. Ok, blessé Alessandro Nini, 9 jours, ça va, il n'y aura pas trop de conséquences. Donc voilà, oui, je voulais recruter un milieu central et peut-être que Locatelli, ça serait intéressant pour l'avoir. Alors, Andonian, on va lui mettre. C'est dommage parce que je sais qu'Andonian, il me semble qu'il a une bonne progression hein, dans FIFA, mais... Bon, je pourrais pas le faire assez jouer. Et puis Aguilar, c'est un petit peu la même chose. C'est pas une progression ouf non plus. Ouais, c'est trop cher. C'est trop cher. Je pense que je vais. C'est beaucoup trop cher. Je pense que je vais prendre Locatelli parce que même Torreira, c'est trop cher. On va peut-être tenter Locatelli. Ah, Thierry Ambrose. Transfert rejeté. Locatelli. Apparemment, ça suffit pas. On va retenter le coup. Je vais juste voir un petit truc par rapport au si combien il a d'étoiles gestes techniques. Ok, il a 3 étoiles et 3 étoiles mauvaises. Allez. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je mette. Enfin, faut que j'essaie de le recruter, quoi. Parce que je sais qu'il a une progression. Il a un potentiel de 85 sur. Comment ça s'appelle? Futwiz. C'est un très bon site d'ailleurs si vous voulez voir les potentiels pour vos carrières. Et je me disais que peut-être de mettre Karim Rekik, ça serait pas si mal. Après, Karim Rekik, c'est vrai que je l'ai fait jouer quelques fois. Et j'ai notamment Sparagna qui pourrait le remplacer si jamais je le fais partir. Sachant que Locatelli, vu que c'est un milieu central qui revient, du coup Sparagna jouerait peut-être plus en défense centrale alors qu'avant je le faisais jouer en milieu. Et je pense que mettre Rekik, c'est intelligent. Alors, c'est hors de question, je ne rendrai pas Ambrose. Ça, c'est sûr. Parce que je viens de le recruter, j'ai pas encore vu tout son potentiel, et puis c'est un joueur qui m'est utile, donc je vois pas l'intérêt de le vendre pour l'instant. Surtout que j'arrive à lui donner à peu près du temps de jeu quand même, donc ça va. Contrairement à d'autres. Ah, Aguilar, ça c'est bien par contre. Ouais, je voudrais un petit peu plus quand même. On va mettre 2 800 000, voilà. Ce sera parfait comme ça. Allez, on va avancer. Allez, ça bug dans les... Oh, deux transferts inacceptables pour Locatelli. Je m'en doutais. Hein. Ah bah nickel, ils ont voulu Guingamp qui vont nous acheter à 2 800 000. Ce qui fait qu'on va pouvoir augmenter l'indemnité pour Locatelli. Donc je me doutais bien que Rekik plus 300 000 c'était un petit peu faible. Donc on va essayer de monter à 2 millions. Non, 1 500 000 c'est mieux, 1 500 000. Non pas 1 million, 1 500 000, voilà. Soumettre offre. C'est bon. Allez, on va faire ce match face à Montpellier à l'extérieur cette fois. Enfin cette fois. Pour ce premier match en tout cas. De cet épisode, je pense que je vais pas trop changer hein, les titulaires. Je crois qu'on a un match de coupe si je me trompe pas après, ou alors c'est dans deux matchs, je sais plus. Mais en tout cas, on aura un match de coupe après. Et non, je vois pas ce que je peux changer. Je vais laisser comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Match face à Montpellier. Premier match donc de cette phase retour. Il va falloir continuer sur la lancée de la phase aller vu qu'on était. À 19 matchs sans défaite. Ça c'est une bonne balle. Allez, Mbappé. Oh, la frappe qui va être trop croisée. J'ai trop croisé sans doute. Oula. Oula là, je suis passé complètement dans le vent. Attention sur le côté. Et c'est bien repoussé par la fond, ça va. Bien joué. Allez. Vas-y, vas-y. Enfin, il s'en va dans l'espace. Florian Thauvin. Oh, la barre, allez. C'est pas fini. Oh, le poteau. Oh, putain, mais non, c'est pas possible. Oh. Barre, poteau, poteau. Oh là là.
Bon après, comment il fait pour la louper la dernière là? Oh là 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 là. Hey Maxime. Oui, ça c'est magnifique! Et l'ouverture du score! Signé Zinedine Machache. Enfin on marque après avoir fait tout à l'heure une barre et double poteau. Et bien là sur cette action, c'est Maxime Lopez qui va donner à Silva. Qui va décaler Machache qui s'est bien projeté. Et qui va mettre cette magnifique frappe. Pied droit. Dans les cages de Jourdren. Il ne peut rien faire. 1-0. Allez. Oui, j'essaie de marquer ce deuxième parce que ça me ferait énormément de bien. Allez. Oh, dommage. J'ai tenté ma chance. Jourdren qui la sort cette fois. Oula, je suis un peu parti. Oh non, j'y crois pas. Comment il a fait pour marquer dans un angle comme ça? Comment il a fait pour marquer dans un angle comme ça? C'est Mounier, je crois, l'ancien Nîmois. Steve Mounier. Qui a marqué. Et quelle frappe soudaine. Je pense que la France s'y attendait pas, mais angle assez fermé, hein. On va voir. Bon, déjà, je fais une erreur défensive en me faisant déposer aussi facilement. Et puis après, ouais, la frappe. Allez, joli, 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 joli. C'est bien ça, la frappe croisée. Oh, il n'a pas bien croisé, André Silva, dommage. Ouais, super la récupération Mbappé, qui réalise plutôt un bon match. Et l'enroulé qui va être repoussé. Quel arrêt de Jourdren. Attention, hein, cette fin de match, il n'y a pas à prendre. Oh non, pas un but maintenant. Pas à la 89e. Et notre invincibilité qui va peut-être... S'arrêter à ce dans ce premier match de la phase retour face à Montpellier. Allez, c'est pas fini. Il nous reste quelques minutes encore. Minutes additionnelles. Oh, cette tête qui est très belle, hein. Autant pour le premier but. Allez. Oh non, 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 non. Ah, là, c'est l'invincibilité qui s'arrête à Montpellier. Malheureusement, on s'incline 2-1. Et Reims, ça sera le prochain match. J'espère que ce sera à domicile cette fois. Oh yes, Locatelli, c'est bon. Ce sera la prochaine recrue alors qu'Aguilar est bien parti. À Guingamp pour 2 800 000. On va supprimer un petit peu tout ça. Et donc Locatelli qui va être la prochaine recrue au milieu de terrain. C'est bien, ça va nous apporter de la jeunesse. Ouais. Regardez juste le transfert. Ouais, c'est bien 1 500 000 hein, pour... Karim Rekik, avec Karim Rekik, pardon, qui va donc quitter le club comme Aguilar. Et titulaire important. Allez. Ça a bugué là. C'est bon. Voilà, comme ça, s'il veut pas, 40 000, je pense qu'il voudra. Allez. On va juste regarder ce que... Ah d'accord, on va jouer deux fois Nice encore. De toute façon, on va juste faire le match de coupe qui serait à domicile. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, un petit match de coupe à domicile. C'est la Coupe de France. Je vous rappelle qu'en Coupe de la Ligue, pardon, s'est fait éliminer donc au dernier épisode. Donc, il va falloir se qualifier en Coupe de France pour accéder au prochain tour. Ça sera pas facile face à Nice. En tout cas, on a tout d'abord un match face à Reims. On va jouer deux fois d'affilée au Vélodrome. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Et voilà, on va laisser comme ça après. Allez, le Vélodrome sous la neige pour affronter Reims. Donc, nouveau match de championnat, le deuxième match de championnat dans cette phase retour en tout cas. Sinon, c'est la 21e journée. Et donc, il va falloir réagir après cette défaite qui a mis fin à notre invincibilité qui permet à Paris, je crois, de se retrouver à 5 points. Deuxième derrière nous. Pas l'habitude de voir le Vélodrome sous la neige. Bon, en tout cas, vraiment essayer de gagner ces deux derniers matchs là, ça serait idéal. Ce match face à Reims et le match en Coupe de France face à Nice. Et Silva, on va se retourner et la frappe qui va être captée par le gardien. Dommage, belle action. Vas-y, vas-y. Oh là, il a du mal à contrôler ce ballon. Oui, ça va peut-être passer ici. Silva.
Et la barre, dommage, c'est pas fini. Ah, oh, il a pas mis la tête, dommage. Vas-y, fais-le l'appel. Je suis obligé de frapper, hein. Y a pas d'appel, hein, dans ce match. Allez. Oui, ça c'est bien, l'espace est créé. Oh, la frappe, elle est complètement ratée là de Silva. Du mal à trouver les espaces. Oui, bien joué. Vas-y. Encore. Encore. Et ça rentre. 1-0. Florian Thauvin qui a trouvé enfin la faille. Et c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Et ça fait plaisir, 1-0. Ouais, j'avais du mal à cadrer dans ce match, j'avais du mal à trouver les failles, manque de confiance après cette défaite à Montpellier. Et là, ça va passer et ça va être repoussé par le gardien quand même dans ses cages. C'était juste, hein. Le principal, c'est qu'on mène. Ah, il va falloir tenir maintenant, essayer d'en mettre un. Et il était parti, je t'ai vu. Maxime Lopez. Ah, j'ai tenté la frappe croisée. Compliqué. Oui, bien joué ça. Allez. Ouais, Thauvin. Le petit enroulé. Oh, dommage ce ballon qui était bien placé pour frapper. Ça y est, victoire 1-0. Un petit souffle là pour respirer. Hein, pour se remettre de cette défaite face à Montpellier. Même si ça a été assez compliqué quand même face à ces joueurs de Reims qui ont bien résisté sous la neige. Mais malgré tout, on prend les 3 points et c'est le principal. Ah, enfin, il accepte. Il fallait juste lui augmenter un petit peu son salaire. Et il n'y a pas de souci. Il commence déjà à demander de l'argent à 21 ans. Comme un certain... Il y a 72 quand même. Comme un certain Boubacar Camara apparemment qui réclame... pas mal à l'OM. Un jeune... dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc Locatelli, il a des stats assez intéressantes. C'est plus un milieu défensif, je sais pas, c'est relayeur peut-être, je pense. Au départ, je pensais qu'il était plus MC genre défensif, mais ouais, c'est un sorte de vainqueur un petit peu plus... c'est un milieu physique, on va dire. Il fait 1m86 quand même. 1m86, c'est pas mal pour un milieu de terrain. Allez, on va jouer ce match face à Nice. Ce sera le dernier de cet épisode. Vu qu'il y a eu le mercato. On va jouer en blanc. Et les joueurs de Nice en rouge et noir. Allez, on va regarder cette gestion d'équipe. On a quand même beaucoup de joueurs qui sont bien entamés hein, au niveau fatigue. Peut-être mettre Moreno à la place de Mbappé. Je mettrais bien... un petit Sparania, tiens, tant que maintenant que je peux le faire jouer DC. Et si on faisait jouer Albert à la place de vainqueur qui est un peu fatigué. Déjà pas mal. Sakai qui est toujours blessé malheureusement. Samba. J'hésite à faire jouer Samba, mais bon, Samba, il a 69, c'est-à-dire autant que Fabri. Alors que Samba, il a quel âge maintenant? 24 ans, ouais, donc il va plus trop progresser, je pense. On va mettre Fabri et puis on va laisser comme ça. Silva, on verra. Allez, dernier match de cet épisode en Coupe de France face à Nice. Ça serait bien d'aller loin dans cette coupe. Ça serait vraiment une belle chose, une bonne chose. Je sais pas si on a gagné une coupe dans cette carrière hein, sur FIFA 17. Franchement, avec toutes les carrières que je fais et plus FIFA 16, je m'en rappelle plus. Le seul truc que je me rappelle, c'est que sur FIFA 16, on avait gagné l'Europa League. Ça, je m'en rappelle. Avec un match exceptionnel. C'était face à Naples, je crois. Hein. Un match exceptionnel avec un retourné de Thauvin et tout. C'était magique. Enfin, bref. Là, on est en 2017. Et c'est les Niçois qui m'ont donné le coup d'envoi. C'est parti. Encore sous la neige, d'ailleurs. Magnifique, allez, allez, j'ai l'espace, je rentre dans la surface, il n'y a personne qui va au centre. Et la tête qui va passer à côté, ouais, ils sont arrivés trop tard là mes joueurs. Dommage. Oui. Allez, boum. Oh, dommage. Elle était belle cette frappe, pourtant.
Oula, attention, je me suis fait effacer trop facilement. Là aussi. La Sainte Pléa, il est tout seul! Et l'ouverture du score! Et c'est Pléa qui marque! Oh, il m'a complètement. Il m'a tué. Sur le contrôle, en fait, je m'attendais à une passe sur l'extrémité, là, sur le côté droit. Et finalement, il a préféré se retourner pour aller chercher le chemin des filets. Regardez, on va voir sur cette action. Regardez, hop, j'ai l'impression qu'il va se retourner pour faire la passe derrière lui. Et finalement, au dernier moment, il se retourne et il frappe. Allez, c'est pas fini. Ouais, ça c'est bien. Je t'ai vu, je t'ai vu. Vas-y. Vas-y. Thauvin! Allez, encore! Oh non! Il tire pas direct. Oui, il est passé sur le côté. Moreno, il fait vraiment un très bon match. Oh, je suis passé, je rentre intérieur. Ça passe avec Alessandrini! Et l'égalisation de Romain. Alessandrini, je sentais que ça allait finir par payer toutes ses actions. Et c'est Alessandrini qui vient marquer ce but de l'égalisation sur un gros travail de Moreno. Qui a effacé deux Niçois, même trois avec sa passe. Et Alessandrini qui n'a plus qu'à pousser dans les cages. 60e minute. 1-1. Oui. Allez, il faut continuer. Ah, il est hors jeu, je peux pas lui mettre. On va tenter la frappe. Oh, ça passe au-dessus. Dommage. Faut pas les laisser s'approcher comme ça des buts. Aïe aïe aïe, et oui! Et oui! On les laisse trop venir encore une fois. J'arrive pas à imposer mon pressing. Et là, c'est encore une défense trop laxiste. Deux buts à un pour Nice. Allez, faut se dépêcher là. Faut aller chercher maintenant le 2 partout. On n'a pas le choix. Oui. Allez, vas-y, fini! Non, comment il fait pour la mettre à côté, André Silva? Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Allez, Moreno. Allez, Moreno. Finisseur. Oui! Et l'égalisation. Signé Moreno, encore une fois, c'est lui qui fait la différence. Magnifique ballon aussi. Il est parti en profondeur. Et qu'est-ce qui fait du bien, ce Moreno, dans le match? J'ai un petit peu bégayé hein. Sur l'action, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai bégayé. Dans le feu de l'action. Et ça fait deux buts partout. Marlos Moreno qui marque. Oui, t'es parti, c'est là. On va chercher le 3-2 là avec Florian Thauvin sur le côté droit. Allez, Thauvin, on va essayer de centrer peut-être. Non, le crochet. On va faire la frappe maintenant. Oh là là, j'y crois pas. Je voulais absolument centrer et puis au dernier moment je me suis dit vas-y je vais tenter un changement de direction, ça marche bien. Et Alessandrini qui la met pas. Allez. Ça serait le meilleur moment là, ça serait vraiment le meilleur moment. Allez André Silva. Oh il a trop mangé dans ce match, c'est abusé. C'est abusé. Si j'en prends un maintenant sur corner, j'arrête tout. Non ça va. C'est repoussé, ça sera... Les tirs au but face à ces Niçois, c'est dommage parce qu'on a bien dominé et finir par des tirs au but, ça risque d'être compliqué. Alors ce que je vais faire, c'est le mettre Thauvin un petit peu plus haut quand même. Je veux bien qu'il ait que 58 en pénalty, mais bon. Allez, le premier tireur sera André Silva, le portugais. Il va falloir la mettre d'entrée. Oui, ça rentre. 1-0. Allez. Attention, Younes Belanda, l'ancien Montpellierain, qui va frapper. Ouh là là, dommage. Pour une fois, je plonge pas de l'autre côté, tu sais. Allez, on remet Alessandrini. Oh là 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 là. J'ai pas le droit. Attention. Valentin Séric. Lui aussi, c'est un Marseillais. D'Aix-en-Provence. Et il va la mettre aussi. Jordan à ma vie. Pour garder espoir. Oui, je la mets, c'est bon. Allez, faut la sortir, celle d'Alassane Pléa, lui qui a marqué le premier but de cette rencontre. Oh, j'étais presque. Je suis parti un petit peu trop tard. Allez, c'est Florian Thauvin maintenant. Pour aller chercher. Oh non. Il la sort encore une fois. C'est là qu'il faut la sortir pour nous. Oui, ça y est, on la sort. Tout est relancé.
Même si on a encore un tir au but de retard, allez Ambrose. Oh là 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 là. Oh non. On se fait éliminer par Nice après être remonté à 1 partout, après à 2 partout. On a failli reprendre le 3-2 et finalement on finit à 2-2 et tir au but, on se fait éclater. Oh, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. C'est comme ça. C'est comme ça, on a fait une phase aller extraordinaire et là, dans la phase retour, on a eu un match difficile, le premier match, et ensuite, voilà, on perd en Coupe de France. On a certes fait une victoire contre Reims, mais on perd en Coupe de France. C'est pas grave, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que le prochain sera meilleur. En tout cas, merci vraiment pour votre soutien, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Maestro. Ciao, ciao.